Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'agenda de ce 24 avril 2023 sur Refait d'Afrique Télévision. Débutons avec le Cameroun qui se prépare à célébrer la 137e fête du travail sous le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Au Cameroun, la célébration de la Journée internationale du travail sera marquée par la traditionnelle parade au boulevard du 20 mai de Yaoundé ainsi que dans l'ensemble du territoire national. Il faut dire que depuis l'avènement du Covid-19, le défilé des travailleurs avait été annulé. Lors de la précédente édition, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ohona, avait invité les travailleurs à mettre un accent sur les activités de réflexion, d'information, de sensibilisation et d'échange. Au Sénégal, la ville de Dakar accueillera du 25 au 28 avril 2023 le Forum international des maires. Organisé par le Bureau des Nations Unies pour le développement durable, le Forum international des maires, en cohérence avec le Forum politique de haut niveau 2023, s'efforcera de soutenir les autorités locales pour parvenir à une meilleure compréhension des succès, des leçons apprises et des bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD 6, 7, 9, 11 et 17 et déclencher la transformation en profondeur nécessaire pour accélérer la reprise après la pandémie de Covid-19 et la pleine mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable à leur niveau. Sommet de l'aviation africaine Air Finance Africa Johannesburg, le Staten Convention Center de Johannesburg en Afrique du Sud accueille du 10 au 12 mai 2023 le sommet de l'aviation africaine Air Finance Afrique. Le défi du financement des compagnies aériennes en Afrique, à la fois les transporteurs existants et les start-up, est un des principaux sujets à l'ordre du jour de ce sommet annuel. Des experts financiers internationaux et africains et des hauts responsables représentant les principales compagnies aériennes de toute l'Afrique aborderont les problèmes urgents et recommanderont également des solutions pratiques à mettre en œuvre. En Côte d'Ivoire, Abidjan accueille du 17 au 19 mai 2023 le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. Organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale, le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique est l'un des événements les plus importants du continent dans le domaine de la sécurité sociale. Il rassemblera près de 400 participants et constituera un moment fort pour partager des connaissances, apprendre et réseauter et établir ainsi des liens avec des dirigeants et professionnels du monde de la sécurité sociale. Sommet sur l'inclusion financière en Afrique subsaharienne, la ville de Nairobi au Kenya abrite du 23 au 24 mai 2023 le sommet sur l'inclusion financière. Il est un événement consacré à l'accessibilité des services financiers en Afrique subsaharienne. L'édition 2023 abordera donc les opportunités, les défis de la prochaine génération d'inclusion financière sur le continent, les dernières technologies et innovations en matière de produits et services financiers pour les personnes non bancarisées et mal desservies, les modèles de prestations actuels en matière de financement de l'éducation. L'événement servira aussi de cadre aux interactions avec les décideurs politiques sur les dernières initiatives nationales et régionales et les questions frontalières pour permettre une plus grande inclusion financière en Afrique subsaharienne. C'est tout pour cet agenda du 24 avril 2023 sur Refait d'Afrique Télévision.